Ça roule? Bonjour à tous, ici Thomas Hammoudi et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui je vais refaire la petite formule que j'ai déjà fait quelques fois et que je trouve cool, j'aime bien faire ça, qui est de vous présenter un livre et de vous donner un projet photo à réaliser en s'inspirant des principes créatifs de ce livre à réaliser vous-même. Alors je l'ai déjà dit avant, mais en gros, l'idée c'est pas de vous dire machin à photographier les oiseaux, photographier les oiseaux. C'est plus d'analyser les mécanismes créatifs, ce que ça peut vous apporter de photographier de telle façon, et un peu comme le projet que je présente, et de vous inciter à le faire pour être plus créatif, faire plus de photos, parce que tout ça c'est très cool. Parce que oui, en fait, le but, c'est pas de vous dire quoi photographier. Ça, je le ferai jamais. De toute façon, il y a assez de gens qui vont vous le dire, qui vont vous donner leur avis sur ce que vous devez photographier. C'est quelque chose qui arrive quand on pratique. Je sais pas, par exemple, pendant le projet Norlando, j'ai choisi de peindre l'humain dans les photographies, parce que j'ai voyagé seul et je trouvais ça mieux, ça retranscrivait mieux le paysage comme moi je l'ai vécu, le sud des États-Unis, qui avait été seul, qu'il n'y ait pas de gens dedans. Ça me plaisait plus, et du coup, on me dit, bah, pourquoi il n'y a pas de gens dans les images? Et à l'inverse, quand tu fais, je sais pas, de la photographie dedans, on dit, ah, tu te colles trop près des gens, machin, tout ça. Il y a toujours des gens extérieurs, votre tata, votre oncle, votre gentil cousin, le mec un peu relou sur le forum sur lequel vous traînez, qui aura un avis sur ce que vous devez photographier. Et en fait, faut pas vraiment les écouter. Et c'est aussi que surtout, la seule chose que vous allez vraiment photographier toute votre vie, c'est vous-même. C'est votre personnalité, votre vision du monde. Et ça, ça se matérialise dans votre photographie, mais c'est vous que vous photographiez avant tout quelque part. Enfin, c'est pas des autoportraits, mais vous comprenez la logique. Si vous suivez vraiment ce que vous aimez et ce que vous avez envie de faire, c'est vous que vous photographiez et il n'y a pas vraiment de raison de vous dire quoi faire. Normalement, si vous vous écoutez, vous allez trouver à peu près tout seul. Voilà. Donc c'est un peu l'idée de ces exercices, de vous donner des pistes pour trouver justement les sujets qui vont vous plaire et sur lesquels vous aimeriez travailler. Après, être personnel, c'est pas forcément faire bien. Il y a des projets qui sont très personnels et qui sont pas intéressants, mais voilà, c'est pas une garantie de réussite, et des fois on se plante, on fait un truc pas bien, ça arrive à tout le monde. J'ai fait une vidéo sur mes photos horribles, ça m'est arrivé plein de fois, voilà, il n'y a pas de problème, mais l'idée, c'est de dire que si c'est de la merde, au moins ce soit votre merde, vous voyez ce que je veux dire, que soit, au moins soit personnel, c'est un peu le but, pas de faire de la merde, mais que ce soit personnel, si vous avez compris. Du coup, l'idée du jour, ça va porter sur ce livre, qui est Météor de Christophe Jacrot, qui est sorti en 2015 chez les éditions Harpon, dont j'ai assez peu de livres. Je suis pas sûr qu'ils sont encore trouvables, je crois que j'avais acheté un des derniers à la librairie, je sais pas s'il y en a encore. Si vous le trouvez d'occasion, il est hyper cool, comme d'habitude le papier est pas mal. Il est pas ultra épais mais il est plutôt joli quand même. Les couleurs sont vraiment bien rendues et il y a régulièrement des petits intercalaires en papier cartonné qui sont du plus bel effet. Alors Christophe Jacrot, c'est un photographe français qui dans ce bouquin nous montre des grandes villes de l'hémisphère nord, en général c'est des grandes villes occidentales, sous les intempéries. Son projet, c'est toutes les villes mises bout à bout, photographiées sous la pluie ensemble. Christophe Jacrot, il est venu à la photographie en 2006 suite à une formation de photojournalisme. Il a alors accepté une commande pour un guide touristique à Paris, avec le cahier des charges suivant, produire des images ensoleillées de la capitale. Le problème, c'est qu'il y a une météo catastrophique ce printemps-là, et qu'il a plutôt souhaité faire un projet de Paris sous la pluie, une série de photographies à contre-courant de l'image touristique de la ville-lumière capturée sous les intempéries. Il a été pris au jeu, et il a conservé avec cette expérience une relation très particulière au mauvais temps, un amour quasi fusionnel qui l'a amené à créer un univers visuel poétique lié aux variations météorologiques. C'est cette dimension onirique du climat qui l'intéresse, ainsi que sa dimension romanesque et imprévisible. Celle qui découle, au fond, de l'implacabilité des humeurs du ciel et qui nous gratifie d'une infinie variation d'ambiance et d'atmosphère. Que ça soit un typhon à Hong Kong, un déluge à Tokyo, une tempête à New York, de la pluie au Groenland, une averse parisienne, la mousson en Inde, ou des neiges islandaises, à Bucarest ou à Chicago. Il a adoré arpenter les mégapoles aux prises avec ses météores et à en saisir la beauté âpre à la manière d'un observateur du fragile équilibre du monde. Alors c'est un sujet qu'on pourrait juger simple, en apparence trop traité, mais qui, quand il est traité par Jacrot, rend plutôt bien. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'aime bien le fait qu'il prenne quelque chose d'extrêmement banal, comme la pluie, les événements météorologiques, et qu'il le répète partout autour du monde. Et du coup, de cette répétition, ça crée une ambiance hyper bizarre, parce que quand on regarde son bouquin, on a l'impression de voir un peu toute la planète sous la pluie, sous les intempéries, dans cette ambiance bizarre. Ça renvoie une image du monde assez étrange, je trouve. C'est vraiment ce côté-là que j'aime bien, c'est cette combinaison des deux choses, de prendre quelque chose de très simple et de le répéter dans plein d'endroits différents, enfin dans plein de situations différentes, ça pourrait être des moments différents, là c'est des lieux mais voilà. De prendre quelque chose de très simple comme ça et de le répéter jusqu'à obtenir une ambiance particulière. Météor est un titre aux sonorités poétiques mais qui évoque des réalités bien physiques. Comme le rappelle le dictionnaire Le Robert, le terme se rapporte en effet à tout phénomène qui se produit dans l'atmosphère, neige, pluie, tempête. Je cherche à capter ce qui nous paraît permanent dans les intempéries, leur part d'éternité. Ça, c'est quelque chose qu'avait fait aussi ce photographe. Alors, je vais lire son nom pour pas l'écorcher, qui s'appelle Se Tsung Leong. Il a fait ce projet qui s'appelait Horizon. Je l'avais découvert à la galerie Polka ou Fichai, je sais plus, dans une des deux galeries parisiennes de la marque. Je me rends compte que mon livre est abîmé, je suis un peu dégoûté. Bref, ce photographe, il avait photographié l'horizon partout sur la planète. En fait, quand on lit son livre, dans le parcours, toutes les images forment un seul et unique horizon qui se suit à travers la planète, en fait. C'est ça, le livre est découpé au niveau de l'horizon et ça suit tout le bouquin et on passe de ville en ville, en ville, en ville, de paysage en paysage, suivre cet horizon. Donc encore une fois, c'est un peu le même mécanisme créatif qui est de prendre un truc très banal et visuellement très simple. Alors là, on avait les problèmes météorologiques, ici on a l'horizon, de prendre ce truc très simple et de le répéter, de le suivre et de le creuser le plus possible et le plus loin possible. Et donc c'est ça le projet que je vous invite à faire et qui découle de ce livre, c'est vous aussi de trouver un élément hyper banal, très simple. Donc on a vu l'horizon, on a vu que ça peut être la météo, ça peut être, je sais pas, l'aube, ça peut être le froid, ça peut être le soleil, le réveil, enfin je sais pas. Quelque chose de très simple et de le photographier de façon répétitive dans le plus de lieux, de moments ou d'endroits possibles. Vraiment de répéter cette situation le maximum possible. Prendre la même personne dans la même pose dans plein d'endroits différents et de travailler en fait sur cette idée de répétition d'une idée simple dans plein de lieux et de voir ce que ça donne et comment on peut arriver à un projet photographique abouti de cette façon-là, à la façon de Se Tsung Leong et de Christophe Jacrot. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a donné envie de faire un projet et de vous y mettre vous aussi, bah, je suis super content. Aussi, si elle vous a plu, bah, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est hyper important pour la chaîne. Et comme d'habitude, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, parce que là, du coup, on en parle et si vous vous lancez, c'est quand même le moment. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.